On est de retour sur contrôle. Et la dernière fois, on avait trouvé le... Comment ça s'appelle ? Le janitor qui nous avait dit, tiens, va faire ça, c'est vachement bien. Et donc, il va falloir que je nettoie des trucs. Il va falloir que je répare le machin, là. Le machin qui fait, je rentre 3 jours, ding de Hangover à Copenhague, j'ai le bide en bas. Tu m'étonnes. Et donc voilà, faut réparer, on va réparer le fourneau, le fournal. Il y en a qu'un. Oh là là, on peut monter. Je sais plus comment on joue. Oui, on vise. On jette des trucs. Ok. Bon, ça on a. Et là... Ok. Alors oui, n'oublions pas. C'est la caméra qui prévaut et pas le personnage. Quand on regarde la carte, il faut faire gaffe à où est le personnage. Enfin, où est la caméra, mais pas où est le personnage. Quoi? Et là, il y a un connard là-bas. Bah. Ça y est, il m'a vu. Aïe! Oh! Oh les bâtards! Quoi? Ah, mais ça me suit! La roquette qui me suit, quoi! Est-ce que c'est normal? Tiens. Il y a connard man là. Mouah ! Oh, il y a l'autre con là. Ça me tire dessus. Ah putain, c'est le mec. Non ? Oh, c'était un mec normal, ça. Ok. Donc maintenant, j'ai des mecs qui volent aussi, quoi. Ok. Centrale maintenance. Mais c'est pas du tout ce que je veux, moi. Je vais aller à l'autre bout. Ah non, brûler les déchets dans le fourneau. Ah bah oui, j'ai pas utilisé... Oh mais non, je suis pas sur la bonne... Je suis pas sur la bonne quête. Les gardes du vis, ouais. Ah, au corps à corps. Ah oui, j'avais oublié. Faut que je bute les mecs au corps à corps. Réparer les pompes. Et du coup, c'est peut-être par là qu'il faut que j'aille. Ouais, peut-être pas, finalement. C'est quoi les salles, là? Je comprends rien. Là, je suis en train de faire tomber les rouleaux de papier toilette là.
Il y a des bruits chelous. Alors, lisière. Examen des sujets paranaturels. Lisière. L'ancienne maison est un endroit mouvant. Des lisières apparaissent sans avertissement. Le contenu de lisière reste un mystère jusqu'à ce qu'elle se manifeste. L'hypothèse largement acceptée veut que les lisières soient des dimensions vibrantes et de fréquences différentes de la nôtre. Quand ces fréquences s'égalisent, la lisière se manifeste dans l'ancienne maison qui agit comme un. Selon une autre hypothèse, les lisières sont des univers parallèles ou peut-être notre propre réalité, mais à un point de différent du temps. Certains pensent que notre collection de matériaux altérés affecte la maison ou attire la lisière. Nous sommes certains que les lisières ne sont pas permanentes. Leur fréquence finira par changer. Certains pensent que la Terre elle-même est une lisière reliée à l'ancienne maison, qui prendra en fait racine dans une autre réalité. Cette hypothèse, bien qu'impossible à vérifier, cause chez ceux qui en entendent parler. Elle est donc activement niée. Le dossier 505-1900, 1881 contient un rapport complet. Ah bah on est bien, hein. Blackrock. Pourquoi ça me dit quelque chose, Blackrock? Alors, une bonne défense. Jessie découvre l'existence d'un nouvel objet de pouvoir sur le parcours d'entraînement militaire, un coffre-fort. Ok. L'objet de pouvoir appelé coffre-fort pour produire une barrière à partir des objets ou des matériaux à proximité immédiate. Voir le dossier OOP22 pour en savoir plus. Les soldats du bureau ont reçu la permission d'employer des armes lourdes comme un para-utilitaire lié à cet objet, afin d'évaluer la durabilité de la barrière. Des munitions de vélocité et ont été testées avec des résultats. Les tests reprendront après. Cet objet de pouvoir est sans aucun doute un candidat viable pour un usage en situation de combat. Permettre les para-utilitaires de participer à des combats en composantes altérées présente un avantage digne d'attention. Le dossier 853-83-67 contient un rapport complet. Moquet. Alors là-bas, c'est fermé. Il faut être niveau 4. Ici. Oh là là. Oh, ça me fait pas envie, hein. Alors, c'est quoi le dossier? Moi tout. Écoute, Trench est sur les dents à cause du rapport Tennyson. Il veut savoir qui l'a écrit et veut cette info pour hier. Le responsable va finir en pâté pour chat. J'ignore si c'est l'un de vous et je ne veux pas le savoir. Je ne suis pas un fada des chasses aux sorcières. Alors dites à tout le monde dans le secteur de faire profil bas. Vous évitez de se retrouver dans le collimateur de quelqu'un. Sérieusement, quotidien des mis à part, cette agence peut parfois être un environnement de travail très hostile. Marqué quoi? Caution quoi? Caution, d'accord. Là, j'ai rien d'autre. Ouais, ok. Bah, je me barre. Il est vénère, lui.
Merde, mais il y a tant. Ah! Merde, il est pas mort, hein. Ah, voilà. Meurs pas, mec, quoi. Pas avant que je t'ai cassé la gueule, quoi. Ah, mais on peut... Non ? Ah, je peux rentrer, là ? Alors... On arrive là, il y a des trucs rouges chelous là. Là, il y a une porte fermée. Ok. Je vais où du coup? Faut que j'essaie d'aller là tout droit. Ok, là y'a rien. Là, le elevator, j'ai pas le droit. Et là, je reviens là. Ah, d'accord, super. Les contre-mesures du comité, j'ai quoi? Ouais, j'ai encore rien, quoi. Mais faut que j'aille où? En face, là? La porte, là, mais elle est fermée. Tu te fous de ma gueule, le jeu? Le jeu se fout de ma gueule. Là, y'a machin. Je peux passer ailleurs? Peut-être. Ok, là je peux rien rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce merlier? Alors, je suis là. Je suis là, mais là, c'est quoi? Ah, je peux peut-être passer par là. Attendez, il y a une autre porte là. Ouais, d'accord, mais... Est-ce que je peux lui reparler à machin là? Non, machin, je peux plus lui parler.
Putain, les tarbats. Ah, ils m'ont fait peur, quoi. Ah, ils m'ont fait méga peur, quoi. Oh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? Un cheval. Appuyez sur B pour faire une évasion. Oh, j'ai le dash. J'ai le dash. Ok. Ah, pourquoi il m'a changé mon flingot là? Ah, je sais pas. Ah, attendez, y a un vilain là. Ah! Ok. Ok, bon ça c'était pas trop compliqué. Let's see the Hiss keep up with me now. Quoi? Ok. Et je retombe. Et me revoilà. Découvert d'un lieu secret. Ah, c'était secret ça? Ok. J'ai gagné un point de compétence. Merci beaucoup. Hein. Des dessins animés, coucou patatart. Ouais, je vais regarder. Je vais regarder la vidéo. Ah, là-dedans. Bon, là, on voit mieux quand c'est comme ça. Drawing the pyramid. The what?
the pyramid. Putain, modem 56K. What's a pyramid? The black pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy, alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. Il est bien le dessin animé pour les gosses, hein. Parle de Ikea là. Je sais pas. Alors le cheval. Quand il n'est pas lié, l'objet doit être gardé dans un espace confiné. Un cheval en fibre de verre qui a jadis servi de siège pour dans un manège. Le mât est toujours relié à l'objet. L'objet est capable de se déplacer à grande vitesse sur de petites distances. Ça peut être très dangereux quand son chemin. Actuellement, l'objet est lié à antécédent. L'objet a été découvert dans un parc d'attractions abandonné. Des locaux ont signalé que les montures d'un manège se déplaçaient seules et les avaient pour ça chassés. Ah ouais, c'est pas sympa. Quand le bureau a eu vent de ces rumeurs, voir l'épisode 235 de Nocturne américaine, les agents ont été envoyés pour enquêter. On a trouvé 3 locaux sur place décédés. L'objet s'en est pris à l'agent en... Les agents ont invoqué la formule C5 pour l'objet assez longtemps pour... Je suis où là? Ok, je suis toujours dans le truc du concierge là. Oh, je peux dasher. Pas trop bien. Oh, le dash. Encore? Ok. Je suis là, je sais même pas si c'est là que je dois être quoi en fait. Non, ça s'est fermé. Ouais, mais on peut rentrer dans les poteaux quoi. Non, on rentre dans les poteaux, t'es la première quoi. J'ai tout cassé et... Ah merde, je reviens là. Ah merde, j'y ai cru. Hein. Ah d'accord, ok. Mais c'est où?
Attendez, attendez. Il y a bien un truc là. Mais non, là, je viens d'y aller, je viens d'y aller. Là, y a rien pour passer, hein. Oui, voilà, je... Ou alors, y a un passage... On peut pas passer dans le truc, quoi. Ok. Là, c'est là où on retombe. Mais je pige rien à la carte dans le jeu. Spoiler, je pige rien à la carte. Hein. Alors là. À côté, c'est le concierge. Ah! Ah, je meurs évidemment là-dedans. Hein. Ouais. Merde. Ah! Va-t'en! Merde. Ça me fait mal à la tête. Donc on va pas aller au machin qui fait mal à la tête là. The floor is lava, mais tellement. Ah, je vais pouvoir récupérer des capacités. J'ai 3. Combien ça? Ça coûte 3. Est-ce que je rajoute encore de la santé ou pas? 4 et 2. Et là, c'est quoi? De l'énergie en plus. Les dégâts de corps à corps. Et le lancer. Et après, je vais avoir le lancer d'explosif. Après, je pourrais lancer les gars. Ouais. Les dégâts au corps à corps. L'énergie. Non, la vie. Hein. Je vais faire full life pour l'instant. Les tactiques de corps à corps, récupérer la récompense. Zbam! Quoi, c'est qui est bleu là? Attendez. Ça, je l'ai pas encore fini, ça, je l'ai pas encore fini. Tuer les ennemis avec l'arme de service en mode rotation, ça, je l'ai pas encore. En mode perfo. Deux ennemis avec l'arme de service dans n'importe quel mode. Ah vas-y, je l'active quoi. Bon, me voilà là. Bah non, bah oui, je veux passer là, mais je peux pas, c'est fermé. Putain de merde. Encore ? Bâtard. Il est où le dernier enfoiré? Il est là.
Merde, mais merde. Putain, mais merde. Ok. Bon. Par... Non, je sais pas par là en plus. Je suis paumé, hein. Attendez, est-ce qu'il y a Rabia qui veut sortir? Je vais l'ouvrir. Bon. Alors, par où on passe? Parce que c'est bien mignon tout ça, mais... Missa est un peu paumée, là. Missa est un peu paumée, puis Missa, pas avoir de vie, quoi. Récupère quelque chose. Ah oui. Nice. Ça, c'est... Ouais, d'accord. Tu es seul là, avec le... Dans le secteur de maintenance. Bah parfait, c'est là où je suis. Mais j'avais pas vu qu'il y avait... Si, j'avais vu ça. Non mais y'a rien, on peut juste monter là, c'est nul. Attendez. Faut que je trouve... Réparer les pompes de refroidissement. Coolant pumps. Ah, y'a des coolant pumps là-bas. Quoi? Putain, les saloperies qui explosent, quoi. Ah! Putain, je l'ai entendu à côté de moi, quoi. Hop là! Ah merde! Ah merde! Ah, c'est dommage, hein. Ah mais tuer les ennemis sans mourir en fait, là, le truc est revenu à zéro. Oh putain, j'en avais tué tellement... Tout ça parce que je me suicide quoi. Quel glandu. Quel gros glandu. Ah merde.
Ok. Alors ça m'a débloqué un truc saturé par le hiss. Les agents saturés par le hiss sont une illustration des déformations physiques extrêmes causées par le hiss. Les saturés sont obsédés à un degré inimaginable par les individus non contaminés à proximité. Une fois à certaines distances, ils se déchaînent une bouffée de résonance du hiss focalisé si dense qu'elle agit comme une force physique. Après cet événement, les saturés sont vidés de leur contamination, l'hôte meurt. Ce comportement peut être une réponse adaptée aux ERP. Les saturés dépouillent les hôtes potentiels de ces appareils, ce qui les expose à la résonance. Le hiss est-il capable d'adapter la capacité d'altérer d'un hôte contaminé à ce point? Pourquoi la physionomie des saturés par le hiss est-elle à ce point altérée par rapport à la forme originale de l'hôte? Beaucoup de questions, peu de réponses. Le dossier contient un rapport détaillé. Bon. Du coup, ça y est. Ah, et donc le petit bruit de... c'est pas Bane en fait, c'est les saturés quoi. Ok. Quoi ? Power cut. Replace the parts. Quoi ? Ah ! Oh, ça va pas me plaire. Ah merde! Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez monter! Ils sont où? Ah, il est là-bas. Il y avait Connerman qui l'évite quoi. Allez. Un petit point de contrôle récupéré. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut récupérer? Ouais, c'est fait. Hop, parfait. Ah, il y a un bug, hein. C'est une fois que j'ai validé un truc, je peux pas revalider direct. Stratégie, non de rotation, perforation. Tuer des éclaireurs du IS dans le secteur exécutif avec la brisure. Ok, bon ça j'ai... Par ça après quoi. Oh, c'est quoi là? Un petit truc lié. Non d'accord. Non c'est une connerie. C'est normal que j'aille là là. Ça m'a l'air un peu. Ça m'a l'air un peu crado là. Oh bah 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 bah. Oh, this place is gonna come down. Bah ouais, c'est un peu pour ça que t'es là en fait. Ouais, faudrait que je puisse dasher là. Petite question hardware, un HDD de NAS, c'est fait pour tourner 24 sur 24, donc ils sont plus fiables dans le temps. Mais est-ce que le fait de les avoir dans un PC qui est allumé et éteint tous les jours les détériore? Non, pas du tout.
Quoi? Ils se détérioreront moins dans le NAS, cela dit. Pas sûr, parce que dans un NAS, souvent l'espace y est quand même assez limité. Et du coup, ils vont chauffer plus. Donc finalement, je pense que c'est kiff-kiff. Hein. Scientifique, c'est une histoire de rayonnement cosmique. Alors, déconnez pas avec les rayonnements cosmiques, parce que effectivement, pour avoir bossé sur un parc de serveurs quand même assez conséquent, voilà, vous savez que quand il y a des grosses vagues de rayonnements cosmiques, en fait, il y a des agences spatiales qui ressentent ces trucs-là. Et effectivement, les éruptions solaires. Et quand t'as beaucoup de serveurs, et bah, tu te rends compte que les plantages, c'est con, hein, mais les plantages sont beaucoup plus souvent... les jours de gros rayonnement cosmique. Et oui. Donc déconnez pas avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je répare là? Ah! C'est bon? Bon, j'ai réparé ça, je suis très content. Et ensuite? Il y en a un autre à réparer? Attends, facilement le changement de polarité de la Terre. Oui, c'est pas tout de suite. Hein. Faites comment imprimer vos photos importantes donc... Oh le truc est... Il m'a vomi dessus quoi. Ça m'a fait peur cette connerie. Ah ! Oh mais non ! Je
Ah d'accord. C'est dégueulasse. C'est crado et j'ai pas de vie. Hein. C'est trop premier degré. Pas tout de suite, ça arrivera, t'inquiète. Non, là y'a rien. Ok, on va attendre un peu. Continuez à mettre des masques hein, pour pas avoir la gastro pendant l'hiver. Hein. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Hein. Les masques là sortaient pas dans les transports en commun. Sortaient pas tout court. Ouais. Mais y'a tout qui est en train de se péter la gueule là. Buvez pas de l'aquavit, la vodka danoise, comme si c'était de la flotte, on sait, pour pas avoir la chiasse. Ouais, bon, ça file pas la gastro, quoi. Je pense que au contraire, ça a plutôt tendance à la buter, la gastro, la pauvre. Ah! Ah, regardez, je peux récupérer un truc, là. Merde, pas ça que je voulais faire. Allez, dash! Ah, il y en a encore un là. Ça va être tout en haut, une connerie, voilà, ça va être tout en haut. Ah, de la vie! Trop bien de la vie. Aïe! Il est où le petit envoyé là? Et par là! Viens mon petit! Merci!
C'est quoi ça? Ah. Un petit dossier là. Coucou Quick Ben et coucou Yoran. Comment vous allez tous les deux? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les canalisations, les WC bouchés, ce blocage dégoûtant dans les WC de retour. Mais c'est quoi ce machin? Et d'où est-ce que ça peut bien venir? Et pourquoi donc Atsi s'entête à lui crier des trucs incompréhensibles? Il fait comme si ça pouvait le comprendre, évidemment. Il fait comme si nous pouvions le comprendre. À chacun son grain de folie. Je vais essayer une nouvelle solution caustique, plus concentrée. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. On va utiliser du desktop canalisation. Et tout va bien se passer. Ah mais il y en a encore un. Il y a encore un petit bat là. Putain l'enfoiros. Oh bah ouais bah... Pff, oh merde. Oh merde, tuer des ennemis sans mourir, c'est encore foiré. Oh, mais je pensais pas que lui, il était aussi vénère, là. Oh, faut que je reprenne où? Il est marrant, un type. Bah, pour l'instant, je comprends rien. Pour l'instant, je comprends rien à ce qu'il me dit, hein. C'est un peu le problème, c'est que... J'ai du mal à comprendre, le gars. Ah, mais ça, c'est bon. Non, il y a une salle que j'ai pas réussi à voir. Non, 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 faut que j'y retourne. Le power plant. Ah, c'est ouvert maintenant? Ah. Oh, mais c'était déjà ouvert là. Ouais, c'était déjà ouvert. Progresser dans l'or pour commencer à le saisir. Ouais, parce que pour l'instant... quand il me parle... Hein? Quoi? Plaît-il? Auriez-vous l'amabilité de... me dire... de nouveau... votre phrase... d'une manière un peu plus compréhensible? J'arrive là, il y a bien une porte, il y a bien un truc là-bas quoi. Ah, est-ce qu'il y a toujours le gars là? Coucou Silent, comment ça va? Allez, attrape quelque chose. Attrape ça. Merde. Non. A priori, lui, il était toujours là. Hein. Il est où ce petit bâtard? Il est là. J'ai tout mis à côté. Hein. Le compresseur. Il ouf. Voilà. Il y a moins faire le malin tant qu'il n'y a plus son armure. Hein. Aïe. On me sent blague.
Putain, il est vénère lui. Allez, va-t'en. Ah merde, moi je me planquais derrière le truc là. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai eu. Bah dis donc. Tu arrives bientôt, c'est pas le train de l'hype. Ah bah oui, bah. Dommage. Dommage. Ouf. Ah mais regardez, c'est peut-être par là. Attendez. Oh non, c'est juste... C'est juste un ascenseur, tout con. Mais putain, mais c'est par où qu'on va? Et je comprends vraiment que dalle à la carte. Hein. Là, il y a bien un truc à gauche. Ah ou alors c'est ça? Ah c'est la porte ici? Ah. Ah c'est probablement la porte ici. Ah oui c'est ça. Je suis revenu pour rien. Y'a quoi là-dedans? Les éclaireurs du Hiss. Alors... les éclaireurs sont les premiers à pénétrer dans les EAM inconnus, les lisières et toute autre situation de danger paranaturel. Ils sont lourdement armés et protégés, parés au pire. C'est pourquoi ces spécialistes ont accès aux armures et aux armes les plus lourdes de l'armurerie du bureau, dont des mitrailleuses et des lance-grenades. Et en plus de leurs excellentes armures de BFC, la résonance du Hiss qui entoure ces entités est assez dense pour arrêter les balles. S'ils n'avaient pas d'autre choix que de les affronter, exploiter toute couverture disponible. Remarquez que les personnes douées de talents télékinétiques trouveront dans les grenades ennemies une source bienvenue de munitions. Le dossier contient un rapport complet. D'accord, ok. Donc faut attendre qu'ils nous tirent dessus. Et quand ils nous tirent dessus, paf, on renvoie le truc quoi. C'est original. Vas-y. Voilà les yeux chelous comme ça là. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces yeux là? Ça fait peur. Elle fait peur la dame. Oui. Ah. Voilà qu'est-ce qui se passe derrière? Ils sont tous vénères. Non? Mais il voit rien lui. Ah non, ça c'est une copine ça. Quoi? Mais qui c'est qui m'a tiré dessus? Ah c'est peut-être lui avec son lance roquette. Effectivement. Mange-toi ça, toi. Va où, lui? Reviens là, toi. Merde.
Oh là là, encore un qui est balèze là. Oups. Il a rien pris, genre il a rien pris quoi. Tout de même. Ok. Ouf. T'as compris quelque chose au jeu aujourd'hui? Ah bah non, j'arrive même pas à me repérer. J'arrive même pas à savoir où je suis donc c'est même pire. Pourquoi il y a encore la musique du combat? Pourquoi il y a encore la musique du combat? Ah, parce qu'il y a encore des mecs. Il est où? Mais il est où? Putain. Ah, le mec qui joue à cache-cache quoi. C'est ma pote ça ou c'est une random? Non, c'est une random ça. Ok, alors. Hop. Ça, évidemment, ça bug. Stratégie de prise. En utilisant prise, tue les ennemis en leur tirant dans la tête. Je sais pas ce que c'est encore. Stratégie, ouais. Ouais, faut que j'en bute 50 sans mourir, quoi. Ah c'est bien. Attends. Ah bah il a rien à dire. Super. On va avoir un petit combat là mais lui il a rien à me dire quoi. Trouver les convertisseurs d'énergie du RSN. Attendez, je vais retourner au panneau. NSC Energy Converters. Ah c'est par là. I know the English. Centrale maintenance. Nope. Ah, NSC Energy Converters. I've got it. Yeah baby, I've got it. Voilà. Ok, faut passer de l'autre côté là. Ouais, moi non plus, hein. Oh les bâtards! Oh non! Putain! Non! Oh non! Oh, j'en ai marre de crever. Ah oh, merde quoi! À chaque fois je repars à zéro là sur le truc où faut que je bute des gens quoi. Je vais y arriver, je vais y arriver. I promise.
Let's go, girl. Cours, cours. We need to fix this thing ASAP. Non mais voilà, non mais... Oh j'ai déjà pris la max. Oh j'ai déjà pris la max. Aïe. Putain mais je suis déjà mort quoi. J'ai déjà plus de vie. Non mais y'a tellement de monde là. Ils sont où? Il est là. Oh, putain. Il est où le dernier? Il me tourne. Il regardez. Ah salaud. Hey. Zwerim. Tiens, tiens, tiens. Ça pète ça, d'accord. Oui, ok, il y a la porte là, on est bien. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des mecs partout. Quoi? Putain, mais. Putain, mais les mecs, quoi? Allo petit bat. Eh salut. J'ai eu une révélation aujourd'hui. Tu m'as dit de ne pas aimer Dead Cells. Parce que tu es nul dessus, avoue. Le mec! Putain, le mec il arrive! Le mec il arrive! Pas bonjour! En plus pour me dire que je suis un gros naze quoi. Ah bravo hein. Non ça va Warpal? Non ça va? Cher jour en ce moment je me demandais en vrai est-ce que tu aimais pas ces dynamiques plaisant à jouer, beaucoup de possibilités, gameplay. Je pense que c'est parce que j'y ai pas joué assez en fait hein, mais pardon petit rototo. Non je pense que c'est juste parce que j'y ai pas joué assez et là le début est pas méga intéressant je trouve. J'ai eu du mal à rentrer dans le truc quoi, donc je pense que si je m'y mettais plus longuement, je pense que ça irait quoi, mais le fait est que là, le peu de temps que j'y ai joué, c'est bien contrôle sinon, je voulais le tester l'occasion, il me donne bien... Ouais non, franchement c'est vraiment cool, hein, il est agréable à jouer et tout. Et par contre ouais, l'histoire pour l'instant c'est un peu mindfuck quoi, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Enfin, elle vise tellement bien quoi. Vous avez vu ça comment elle vise bien? Oh non! Tiens. Tiens. C'était le truc utile pour
plat, bisous. Je viens de chercher. Ah merde, je peux pas. Pourquoi je peux pas monter? C'est par là. Ah! Putain, le hiss. Vous avez vu que les agents contaminés par le hiss étaient vachement en hauteur là. Vous avez vu ça? Ils étaient tout en haut à hauteur. Donc est-ce qu'on pourrait dire que le hiss est haut? Ah mon dieu, qu'il est drôle. Je suis désolé hein. Vraiment désolé. Jean-Michel à vous. Ah vas-y, dis-moi. Ne plus faire de blagues. 30 secondes de silence. C'est bon la punition levée? Merci. Merci beaucoup. Putain, j'ai plein de coupures mais il a fallu que j'entende juste ça. Oh, elle est bien! Elle déconne pas! C'est juste parce que vous êtes jaloux, parce que vous y avez pas pensé, c'est tout. Vous êtes des gros jaloux. Parce que moi j'y ai pensé. Alors, objet à collectionner. Date de la prochaine partie. La prochaine partie aura lieu mercredi à 8h, même lieu. Hazard me doit 20$. Harish continue sa série de victoires. Que quelqu'un trouve comment il triche. Thompson suspendu pour une partie à cause de ses méthodes de distribution suspectes. Guy, je te dois 60$. La dernière fois, c'est moi qui ai apporté les bières. Alors, c'est le tour d'Epstone Stall. Quel nom? Quel nom à la con. Dès le premier jour de contrôle, je cherchais comment placer une blague avec is. Et j'arrivais pas à placer un o is. Bah voilà. Fallait utiliser is et o. Et ouais, et ouais, et ouais. Oh non, mais merde! Il y en a un qui est en train de me contourner par la gauche. Voilà. Merde. Ah putain! J'ai tout cassé les ordinateurs. Hop là. Merci, bisous. Merde, merde, merde. Oh les petits malins! Je crois que je suis à la moitié de mon défi. De buter 50 ennemis sans mourir, quoi. Splom. Le mot n'est pas propice au jeu de mots aisé. Oh. Bien joué, Genius. Bien joué.
C'est plutôt joli là ce que tu vas nous offrir. Blablabla. Alors me revoilà là. Ah, lever le verrouillage interne par intervention du directeur. Maintenant, salle de... Ah bah merde, j'étais dedans. Merde, c'était là. Est-ce que c'est pas sur l'ordi chelou? Ouais, ouais, d'accord. C'était l'ordi chelou. Faut mettre le... Putain. Faut mettre le gun dans la machine, quoi. Faites-en pas toute une histoire. Ne devenez pas hystérique à chercher des jeux de mots non plus. Merde, j'ai pas regardé. That's it. The other sector should be open now. J'ai pas regardé ce qui s'est passé. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. Ouais, y a des trucs encore planqués quand même là. Hein. Hop là. Chaque fois je me plante. Hein. Alors. Déplacement rapide. Je veux... Oui, c'est ça, ouais. C'est là où aller, je crois, non? Il me semble. Ah, et vous savez quoi? C'est le moment idéal pour faire une pause. Et oui! Et déjà 1h20, donc hop, petite pause. Bisous, YouTube. À la prochaine.